On est reparti YouTube, on continue. On va aller voir ce qu'il y a là en dessous, là, en bas. En bas, là. Plouf. Ah, pas par là. Par où il y a un moyen de descendre par... Ah, bah oui, il y a ça. Je n'avais point vu cette petite fissure qui nous permettait d'aller ailleurs. Vers une autre zone. Salut, toi. C'est vrai que c'est l'ennemi en 42 phases. Merci. Je me demande si des fois il n'y aurait pas des trucs cachés à l'endroit où elles étaient avant. Ce qui est bien, c'est que maintenant on peut nager dans... Oh putain. Dans l'eau de l'enfer. Ça va vite ces trucs, hein. Salut toi. Toi aussi tu reviens? Allez. Attends. D'accord, c'est juste un trou. Et du coup, il n'y avait rien en haut. On peut pas remonter. C'est une blague. Vraiment pas remonter? Si, on peut. Il n'y avait rien là-haut. Genre ici. C'est d'où on vient en fait. Il n'y avait vraiment rien en fait. On avait le choix du chemin. On peut aller voir sur la droite là ce qu'il y a. Enfin, des chauves-souris qui vont nous exploser la gueule. Des machins qui vont nous attaquer. Allez. Explose tout la chauve-souris, c'est bien. Ah, ces ennemis de l'enfer. Parfait, on n'est pas mort, bien heureusement. Ils sont là ça pour se recharger, ça fait plaisir. Qu'est-ce que c'est que ça? On pète tout ça? On est dans un nid, quelque chose comme ça. Peu. Moi je casse tout, hein. Pas ça sert à quelque chose, mais il y a peut-être un succès, connerie comme ça. Il va venir à moi dès qu'il va se réveiller, de toute façon. Ah, tu crois que j'avais pas vu ton petit chemin là? Je vais aller sauter. Attendez, quoi en haut? Juste une petite statue comme ça là? Ou de l'argent? L'argent. Par là, ça continue, j'imagine. Ah, c'est pour revenir en faire le tour. On peut passer par là maintenant. Se soigner peut-être? Alors que tu es full énergie. Enfin, aura. Donc en fait, si on ne voit pas le petit chemin, on fait un tour pour rien. D'accord, sympathique. Là, on peut nager, on est où là? On peut pas avoir la carte dans l'eau, ça c'est dommage. Oula. Je sais pas si j'ai vraiment envie de frapper ce truc. On peut pas juste passer? Ah, mais y a rien d'autre. C'est un méchant, évidemment. Fluke Ram là. On va se soigner. Hein. Ah, il a déjà spawn des trucs, d'accord. Il faut soigner qu'un point, hein, sinon c'est mort. Ah. Ça, je sais qu'on a, on a pas trop de peine à se soigner au moins avec ce boss. Si on se fait pas toucher par ces enfers, les ennemis de l'enfer. Ouais, si par contre, à chaque fois que je me fais toucher, on reset le truc. Parfait. On va en tout cas partir sur un combat plutôt passionnant, je crois. Mais pas vraiment la difficulté. Ah, il est déjà mort, d'accord. D'accord. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus compliqué. Ah, il nous a donné quelque chose quand même. Un nid de flux. Ah, c'est un seau. Un char vivant né dans les intestins d'un fluqueur. Fluque marme. Transforme le sort esprit vengeur en une horde volante de bébé flux. Ok. C'est quoi esprit vengeur? Ah oui, ça.
J'ai envie juste de trouver un banc pour essayer. Pour être drôle. Je sais plus si je l'ai dit, mais bonjour YouTube, hein. Qu'on a tout pris là. Incroyable. Tous les trucs en respawn, là, on va les laisser tranquilles du coup. Il n'y a rien non plus. Faut se cacher un peu derrière la corde, j'ai l'impression que des fois qu'on peut passer. C'est très perturbant. Salut! Aller sur le banc, voir si on n'a pas loupé un chemin. Je crois qu'on a fait toute la zone, hein. Ça devait être une zone de DLC. Alors, prends les trucs qui tournent autour, s'il te plaît. Merci. Là, on est. Il y a un vieux bruit de l'enfer. Ouais, on a tout fait. Ok, on va remonter du coup. On va aller acheter les emplacements de saut, ça me paraît être une bonne idée. Je sais plus où c'est par contre. Pas dans la caverne massive? Non, oui. Je cherche. Hein. Non, c'est là. C'est dans la route oubliée. Juste ici. Qu'on y aille du coup. C'est comme là, on a jamais été là. Ici. Faudrait qu'on y aille. On va passer par. On va trouver une station de géo déjà et puis on va aller à la route oubliée. Où est-ce que je suis? Là. Station de géo la plus proche. Elle est très. Elle est là. Partir sur la droite et que je remonte. Là, il faut que je sorte d'ici. Parce que là, on est d'accord. Là, il y a un. Ah non, c'est juste pour se recharger. Ça a explosé le pauvre petit truc. À sortir par là. Station du roi, c'est par là. Ah, il est parti le mec qui était là, à qui j'ai parlé. Merde, les ennemis. Oh. Soyez gentil avec moi. Là, c'est tout droit jusqu'au bout du monde. Il y a quoi en dessous de nous là? Prends le chemin. Je vais descendre. J'irai voir un truc aussi à l'enceinte du palais avant. Boum 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 boum. Ah, c'était presque prévu pour quoi. Allez, la station du roi là. On y est? Pas encore. Si on y est, mais pas. Pas où il y a le géo machin là. Ah, ça repop ça? Ah non, j'ai pas pu rentrer toujours. C'est vrai. Là, c'est l'ancienne. Parce que pour moi, il doit y avoir un truc à faire ici. Ah, on a trouvé un petit chemin. Déjà, il y a une chenille. Donc ça veut dire Mouni. Tu es libre, petite chenille. Rentre chez toi. Je sais pas si normalement on peut aller dans cette eau, c'est censé être de l'eau empoisonnée. En tout cas, on va déjà remonter pour ouvrir le. Aller voir ce qu'il y a là. On est où là? Une porte fermée là. Et là aussi, d'accord. Sert à rien du coup. Intéressant. Une nouvelle zone, ils sont sérieux? Ça en finit jamais? Frontière du royaume. Bon, ça doit être la dernière zone. Viens par là, toi. Du coup, on fait pas du tout ce que je voulais faire initialement. On trouve un chemin déjà là. Le journal du voyageur. Toi, qu'est-ce que tu me dis? Ah, que dalle. Un petit item trouvé comme ça, sympatoche. Oh, mais il y a des zones à l'infini, c'est horrible. J'ai l'impression que chaque fois on découvre des nouvelles zones. Je sais pas si. Oula, il y a des trucs qui sont tombés du ciel. Je vais tomber jusqu'à où là? Ah! Le mec des cartes. Parfait, il est juste là. 112, c'est bon, c'est pas trop cher. On obtient la carte. La cité des larmes. Le colisée des fous. Ah, en bas, il doit y avoir un truc aussi. On va aller en bas du coup.
Là, il doit y avoir tellement de trucs planqués sur les côtés, quoi. Genre, il n'y a pas de chemin? Non. Comme ça? Fou! Ça n'a rien fait? Oh, on doit toujours aller dépenser mes trucs aussi. Ah, oh, j'oublie tous les trucs que je dois faire. J'oublie tout, on a de l'argent à dépenser, on a plein de trucs à dépenser. Oh, des petites sauterelles dégueulasses. Même pas les one shot ces petits trucs là. Ah, ils sont trop résistants. Ils sont trop chiants. Ils sont chiants. Moi je les trouve déjà chiants. Qu'est-ce qu'on a par ici? Juste une mine? Avec des ennemis qui pop, qui sortent du sel ou je sais pas quoi là. On est aux frontières du royaume. Du coup ça doit être la dernière zone sur le côté. Aïe. Reviens là, toi. Bon, ces autres, elles font que passer tout droit. Elles peuvent pas changer de direction. Meurs pas ici, hein. J'ai failli crever sur elle. Ok. Ouais, il y a encore un bon bout, hein. C'est un chemin qui monte par là, j'ai l'impression. Il y a une mine aussi. Ça monte, ça veut dire qu'il y a... Ah, ça veut dire qu'il y a toute la zone encore. Oh mon Dieu. Le Colisée, ça doit être un truc de DLC, je pense, hein. Ah, ta mère, la giga sauterelle de l'enfer là. C'est même ça te tue pas. Putain, il en faut des trucs pour la tuer, hein. Ah mais c'est quoi qu'elle me lance là? Je vois même pas ce qu'elle me lance. Des petites boules là, ça fait rien ces petites boules. Tu. Pas encore une sauterelle de l'enfer. Heureusement qu'on a ce pouvoir hein, pour faire des dégâts parce que sinon... Oups. Oups. Oh non, on est loin. On est très loin. On est beaucoup trop loin. Il y a deux endroits pour arriver. Ah non, frontière du royaume. Si, c'est la frontière du royaume. Il y a deux endroits pour arriver dans cette zone. Ah non. Attendez, on est passé par là. Ok. Du coup, faut que je remonte. Là, faut que je remonte. Sinon, on va perdre tous nos points. Il y en a énormément. Ça ferait un peu chier quand même, hein. Aïe. Zone de l'enfer. Par ici, je crois. Voilà, la sortie est par là. Du coup, on ressort là, faut qu'on retourne. Oh, faut qu'on marche. Il faut qu'on marche. Ça ne finira jamais de marcher. En réalité, je fais pas du tout ce que je devrais faire là. Je devrais aller vers les têtes d'espèces d'aliens. Et j'y vais pas du tout. C'est pas très très malin, mais bon. Tellement immense cette zone. Du coup, là, on va passer. Ah non, c'est pas ici. C'est pas encore ici. C'est plus loin. Je suis la meuf là? Ah oui, c'est là. D'accord. N'inquiétez pas, je suis gentil.
Toi, on va passer sur le banc. Et on va faire un petit détour des pensées avant que j'oublie. Au truc de non-temps, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Vite aller. Repos éternel, c'est. Je crois que c'est repos éternel. On se dépêche. On va juste dépenser tout mon argent. Enfin, tous mes points, parce que j'ai assez de points chez la meuf là en haut. Qui donne des trucs. Donc peut-être qu'elle va augmenter mon arme ou je ne sais quoi. Il semble que j'ai assez de points. Hein. La voyante. Ah, 700. Ah, j'ai pas assez alors, j'en ai 600. Merde. Du coup, on repart. La station du roi. Tu 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 tu. Et voilà, parce que ce qui est une perso, c'est qu'il y a. Moi, à la base, ce que je cherchais à trouver, à ouvrir, c'était aller ici. Hein. C'est juste ça, moi, que je voulais faire. Mais moi, j'ai trouvé autre chose, du coup, là. Ouais, parce que là, on passe. Faut qu'on se retape tout ça aussi. Ouais. Tu vois, il y a moyen de monter aussi. Ou d'aller tout droit. On va aller tout droit parce que voilà. Mais on était monté avant, on était allé tout droit. Avant, on était monté. Pareil, y a un chemin en bas. Ça va dans tous les sens. Des trucs qui tombent. Ah, des cadavres qui tombent. On peut les libérer. Ça nous donne des petits points. Non, c'est juste pour lire en fait. Ça sert à rien. Du coup, c'est par là qu'on a perdu notre âme. C'est bien juste? Oui. On s'en fout, toi aussi on s'en fout. On les laisse tranquille, hein, eux. Ce que je veux déjà, c'est récupérer mes points, moi. Ah merde. C'est pas ouf comme move. Ah, il va me suivre jusqu'à l'infini? Il y avait quoi ici? Il y avait une autre zone? Ah oui, mais déjà on va récupérer les points, on va sur le banc. Ah, je me suis fait avoir de nouveau. Pas obligé de la tuer, laissons-la tranquille. Elle, par contre, on va la tuer parce que sinon elle va m'emmerder. Et moi, ce que je veux surtout, c'est mes points. Merci. Pourquoi des fois je le one shot ce truc et des fois pas? J'ai failli crever. Hein. J'ai failli perdre mes 2000 et quelques points. On va jouer lâchement, hein, mais bon. Juste atteindre le banc qui est derrière. Enfin, j'imagine qu'il est derrière. On y est presque en tout cas jusqu'au banc. On est full. Je me soigne si je suis full. Bah les couilles, juste le banc. Merci. Le fucking banc! Et on met à jour la carte. Ça continue là. C'est sans fin. Il y a quoi là? On peut lui parler si on essaie de faire ça. Plus fort, frère! Plus fort. Ah, c'est pas assez fort apparemment. D'accord. Est-ce que j'ai encore le badge qui augmente? On avait un badge qui augmentait ça. Oui, le porteur des rêves. Je ne sais pas. Allons voir là-dedans. Oh!
On dirait un roi. Je vais toujours vérifier parce qu'après j'oublie d'aller derrière. Comment as-tu trouvé ici, au bout du monde? Oui, je sais pourquoi tu es ici. Tu es venu apprendre l'art de l'aiguillon du légendaire maître d'aiguillon Oro. Selon la loi du grand maître d'aiguillon, je dois transmettre les enseignements à ceux qui en sont dignes. Cependant, aucune loi ne m'interdit d'exiger un paiement en retour. Si tu veux tellement que je te prête mon aile, prouve-le avec des géos. Allez, 800. Au moins, il sera utilisé à bon escient. Elle est motivée. Boum, 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 boum. C'est parti. Maîtriser entaille éclair. Maintenez X pour canaliser les grands aiguillons. Relâchez le bouton tout en effectuant une ruée pour effectuer l'entaille éclair. Et là, la ruée, c'est l'autre touche. Oh, pas mal. Peut-être que le truc, il fallait le taper avec une attaque chargée avant là. Toujours pas apparemment. Je sais pas alors ce qu'il faut lui faire à ce truc. Tant pis. Ok. On va par l'autre côté. Enfin, on a encore toute la zone ici à explorer. Je sais pas si on ça vaut la peine de l'explorer maintenant. Passer au-dessus de cet ennemi de l'enfer, même si apparemment on ne peut pas. Essayer de l'éviter un maximum. Ah, ça c'est vraiment un ennemi de l'enfer, hein, je trouve. J'aimerais bien trouver un masque pour avoir un point de vie supplémentaire. Ce serait vraiment cool. Là, il y avait un chemin. On avait récupéré la mine, mais on n'avait pas été en haut. On a juste été jeter un coup d'œil. Du coup, on va aller voir par là. Les petits, ça me dérange pas. Ah, il y a à nouveau de ces trucs de l'enfer que je peux pas passer là. Pas comment on les passe ces trucs hein. Peut-être un pouvoir qu'on trouve dans cette zone quelque part. Petite seg, mais je croyais que c'était un ennemi qui allait tomber. Voilà, il y a un passage obligé en haut depuis le haut. Ils rapportent pas mal de thunes ces ennemis, ça c'est plutôt bien. Ça ressemble pas à des pics ça. Si, ça ressemble à des pics. Y'a rien d'autre par là? On a fait le tour. Bon, d'accord. Ah, là, il y a un passage. Ah, c'est bien ce qui me semblait, c'était là. Puis là, il y a un jour. Allez. Se trouve le journal du voyageur. On pourra tous les vendre un jour et s'acheter plein de trucs, hein, je pense. Je pense qu'on fera ça. Par là, nous avons. Encore des chenilles là, des sauterelles comme vous voulez. Oh la salope, elle m'a poussé dans les pics. Là, il y a un chemin. Oula. Alors, parons-nous. Hein. Parfait, j'ai eu la chenille, j'ai eu tout ce que je voulais moi. Il faudra revenir en arrière et recroiser les ennemis de l'enfer, c'est ça? Au revoir, merci. On se soigne un peu. Passer par là. Il y avait quoi en bas? Ça m'énerve parce que j'ai l'impression qu'il y a juste des petits bonus par là. Du coup, j'ai envie d'aller voir. Genre une chenille, ça peut faire son taf, quoi. Alors que finalement tout amène au même endroit quoi. Je sais pas. Je regarde, hein. Des fois je vois des trucs que j'aurais pas vu. Ok, par là on a quoi? On revient au centre.
Ah, là on peut passer, on peut même nager dedans. Chose qu'on ne pouvait, on ne pourrait pas faire si on n'était pas allé, aller dans l'autre zone avant. Et là on rejoint ici. Il n'y a pas un banc par hasard? Que dalle. D'accord, merci. J'aurais bien voulu mettre à jour ma carte, mais apparemment on fera sans. Quand ces trucs comme ça, là, il y en a partout. Oula, tu fais la montée, tu caches un truc toi. Il y a vraiment rien d'autre là? T'es trop suspect comme il était là. Juste une mine? C'est ça que vous êtes en train de me faire croire? Une mine et des gros monstres. Là, il y a un chemin. C'est quoi ça? Ah là là, quelle est cette chose? Peut lui gratter les fesses. Plutôt drôle, peut-être qu'il va nous le demander. Du coup, il doit y avoir un gros truc par là. Là, ça revient, j'imagine, toujours ici. Toujours pas de banc. Toujours pas de banc, apparemment. Tempi, tempi, hein. Je veux savoir ce qu'il y a là-haut. Là, il y avait un gros mec avec qui rigolait quand je lui tapais les fesses. Ça m'intrigue, ça. Ah, un truc bleu. Longtemps qu'on n'avait pas vu. Ah, je croyais que c'était un changement de jaune. Il doit être là, le mec qui... C'est juste une zone bleue, d'accord. Parfait. On gagne des petits cœurs. Ça, c'est plutôt cool. Genre, mais des fois, ils prennent que 2 hits à tuer ces trucs, des fois 3, je comprends pas. Genre, tu sors d'où, toi? Je t'ai tué avant, j'ai tué tous les ennemis qui étaient là. En dessous de moi. Bon, on arrive tout en haut, là. J'espère que... Ah, encore un truc, là. Ah, bah il est là! Hey, petite chose, tu grimpes très haut, tu vas rechercher du savoir que c'était Russell? Cet endroit cendreux est la tombe de Virim. J'entends dire qu'il a perdu la vie depuis très longtemps. Qu'est-ce que la mort pour cet ancien? Je pense que pour moi, c'est une transformation de plus. Ce royaume en perdition est le produit de l'être engendré par cet événement. D'accord. Certains préfèrent que les esprits ne soient pas espionnés. C'est assez troublant et envahissant. D'accord. Ah, il y a vraiment rien d'autre de ce côté. Je m'attendais à une zone, quoi. Au moins que là. Là, il y a une zone. Ah non? Mais il y a forcément quelque chose. Il y a un chemin sur la droite, là. Alors, attendez. Ah non, faut que je redescende, hein, du coup. Je retrouve un endroit où je peux retourner dans... Dans la zone sur le côté. Genre là. Voilà. Il faut que je monte du coup, j'imagine. On peut rejoindre la cité des larmes. Attendez. Les deux endroits mènent par là. Et là, là c'est le funi, hein, je crois. Je vais aller voir juste quand même. Mère, toi. Toi, tu me saoules jusqu'ici, tu me suis jusqu'ici.
Plus beaucoup de points de vie, j'aimerais ne pas mourir. Il y a un chemin qui monte, mais il y avait un autre truc par là. Ah, ici. La tour de l'amour. Examinez. Une porte verrouillée et rembourrée. Ok, c'est très bizarre comme endroit. Je suis où? Ah, je suis là. Mais je pouvais pas monter là. Ah, c'était fermé, je suis de ce côté. D'accord. Comment il ne donne pas des infos lui? Ah. On a ouvert les deux portes, ça c'est plutôt pratique du coup. Ça permet de monter plus haut. Mais est-ce que ça sert à autre chose? Je ne sais pas. Là, il y a une autre porte. Mais bon, il faut une clé apparemment. On va monter par là. Ça a l'air plus simple de monter de ce côté que y a tout le monde. J'entends un petit bruit. Ah, c'était ça. Si on peut escalader comme ça, moi je préfère, hein, clairement. On arrive tout en haut, on revoit des trucs tomber, on recroise des petits ennemis de l'enfer. Parfait, et par là du coup. Ah, où est-ce qu'on va arriver là du coup? Faudrait vraiment passer sur le banc, sur un banc pour update la carte. Hein, parce que là, je trouve qu'on a raté plein de trucs dans les zones où on est passé avant. Sans le savoir. Putain de merde, ces zones de l'enfer. Faut que je me soigne. Non! Bah voilà, on va update la carte, super. Yeah! On est trop loin. On voit le Colisée, mais on peut pas l'atteindre apparemment. Ah, mais il y a un chemin sur la droite qu'on n'a pas été. Il y a deux chemins sur la droite. De toute façon, faut que j'aille récupérer mon argent. Hein. Tellement énormément que j'ai pas du tout envie de le laisser. Dégage. Ça va passer. Je le demande gentiment. Bonjour. De toute façon, on peut passer par là, ça fera un petit raccourci. Ouais, je pense que c'est plus rapide par là. Là, sur la droite, on pouvait pas y aller, hein, c'est juste. Ouais, il y avait un faisceau noir et j'ai envie d'aller voir en haut s'il y a quelque chose qui nous bloquait. Vu qu'on est par là. Par ici. On charge un peu, mais. Mes trucs pour me soigner au cas où. Parce que ces ennemis, c'est de l'enfer. À l'état pur, j'ai l'impression. Quelque chose qui m'empêchait d'aller là? Je ne sais pas, hein, je vais aller voir. Parce que je suis monté là, j'ai l'impression. Ah, un indicateur de banc. Ok, non, pas maintenant, pas maintenant. On a trop de points. Beaucoup trop de points à perdre. Là, il y a un truc de banc. Ça m'intéresse comme information. Juste là en dessus, apparemment. L'indicateur qui fait plaisir. Le journal d'un voyageur. Et un petit banc. On met la carte à jour. Vu qu'apparemment il y a quelque chose sur la droite. C'est plutôt cool, sympa comme campement là. Comme ça du coup on est plus près aussi si on remeurt. Laisse-moi tranquille, je veux juste passer. Voilà, parfait. Faut qu'on aille récupérer nos points de toute façon. Pas le choix du tout. Passer par là, je pense que ce sera plus simple au milieu. Il avait l'air d'avoir moins d'ennemis bien chiants. On n'est pas encore passé par ce petit trou là. Même si.
Ah, on peut pas monter, on est obligé de passer par là, d'accord. Pardon. Pardon le jeu. On monte là. C'est où la sortie? Je suis monté trop haut, c'est ça? Non, je suis pas monté trop haut. Ah, c'est là. Ici. Salut toi. Sûr qu'il y a un truc à cacher là, derrière. Faut y aller jusque dalle, d'accord. Oh, petit scarabée, est-ce qu'il est mort? J'étais un champion, je ne mourrirai pas ici. Peut-être le chemin pour attendre le Colisée. Il n'y a pas de passage, on est d'accord. Non, on est d'accord. Je crois qu'il monte, j'ai l'impression par contre. Ok, c'est là qu'on est mort sur une vieille sauterelle. On retrouve notre petit fantôme. Et vous faire foutre, hein. Où es-tu, petit fantôme? Oh, l'enfer! Heureusement que je suis pas mort, hein. Et le petit. Il m'a fait mal, hein. Du coup, on a quelque chose, hein. Petit tas de terre. On laisse passer les sauterelles. Tu exploses tranquillement. Là, il y a moyen d'ouvrir un chemin. Ou de remonter quelque part. Il y a tout l'air, hein. Ah, voilà. Là, on peut ouvrir un passage. Ah. Mais l'explosion, on avait déjà explosé. Je suis deg. C'est près d'où? Ah, c'est là. D'accord. Ah, c'est comme ça qu'on atteint le colisée. D'accord. Du coup, je voulais aller voir le colisée, moi. Ah là là. Fuck. Le jeu m'a enculé. Oh, j'arrive plus à sauter. Je suis fatigué, j'arrive plus à sauter. C'est à midi. Petit chemin sur la droite, du coup c'est par là. On monte. Qu'est-ce qui m'a touché? Quel enfer qui m'a touché, s'il vous plaît. Il y a plein de gens qui tombent. En fait, ils tombent du Colisée. Je viens de comprendre. C'est moins chiant en passant par là en fait. Juste se soigner parce que les trucs explosifs ils font 2 de dégâts en fait. Du coup ça fait plutôt mal. Parfait, on fuit. Là on doit traverser et monter. Moi il me touche.
Parfait, on monte là. Je vais être là, mon petit fantôme. Juste en dessus. Où est le fantôme de l'enfer? Et là. Du coup, là, on revient ici, c'est juste. On revient. Voilà, on revient ici, d'accord. Et le Colisée, ça ressemble à quoi? C'est une grosse zone de combat ou. Plutôt flippé. J'ai pas si envie d'y aller maintenant. Pas si vite, cette épreuve est fermée à ceux qui n'ont pas l'expérience approuvée. Essayez d'abord les autres épreuves. Ah, je vois qu'un autre guerrier a trouvé son chemin vers notre magnifique Colisée. La destination finale pour tous ceux qui sont à la recherche de combats intenses et fatals. Tout ce que vous allez faire est placer votre marque sur le tableau de l'épreuve de votre choix, et voilà, les portes de l'arène s'ouvriront. Il y a des faibles frais à payer pour chaque épreuve, mais je suis sûr qu'un combattant si habile que vous aura accumulé une petite fortune de géo. Par contre, avant de dégainer le tégrillon et vous précipiter au combat, laissez-moi vous offrir un petit conseil. Il y a une fosse de guerre juste en dessous d'ici, où d'autres comme vous attendent leur épreuve. Je vous conseille fortement de vous rendre pour vous reposer un peu avant de placer votre marque. Oh, et sachez que je suis moi-même un guerrier tout âme, n'ayez pas peur de juger à cause de ma taille et de mes limitations. La cousine nous appelle tous les deux, je serai bientôt de retour au combat. Faites une contribution pour participer à l'épreuve. Alors d'abord, il y a une zone pour se reposer en dessous. Alors on va aller se reposer, il doit y avoir un banc aussi. Ah voilà. Se reposer. Ah, il y a lui aussi. La carte est mise à jour aussi. S'il te plaît, tu me laisses me reposer? Et l'écouter, pardon. Pas de créature, alors toi aussi tu as trouvé cet endroit parfait. Je vais bientôt entrer en combat, je prends juste un peu de repos. Mais qu'il n'en existe que très peu pour me défier, j'espère que cette arène présente le genre de défi brutal que je recherche. On a quelque chose par là? Il y a l'air, hein. Je vais fouiller aussi. Ça aussi, là aussi il y a quelque chose. Un petit sauna. On peut lui parler à lui? Pourquoi est-ce que cette chose me dérange? Désolé de te déranger, hein. Moi aussi, je vais utiliser le sauna, nom de Dieu. Ah, d'accord, c'est pour sortir de l'arène, j'imagine, ici. Bon, j'ai pas compris comment on lançait un combat. D'accord. Ah, mais on se recharge là-dessus, d'accord. Placer notre marque sur quelque chose, mais. Sur le tableau. Ok. Coûte combien? 100. Allez, on est parti. Petit Nigo, il s'appelle, je viens de voir. Ah, ça ouvre le truc. On peut ouvrir toutes les épreuves. Allez, on place notre marque. Et du coup, on peut rentrer. D'accord. Le premier, j'imagine qu'il est assez simple. Oula. Oh, il y a la reine en arrière-plan et tout. Le Colisée des fous. C'est pire stylé comme décor à part ça, je trouve. Comme il bouge et tout. C'est mon adversaire. Il peut pas se retourner ou ça se passe comment? Il était plutôt nul, hein. Ok, on les a défoncés. Ah, apparemment. Ah, mais par contre, je les avais pas vus, eux. Ils sont chiants, eux. C'est que je voulais me soigner. Ok. Ok, on a encore un qui traîne là-haut, mais apparemment il attend pour descendre.
Merde, je suis touché deux fois par ça, sérieusement. Heureusement qu'on a le temps de se soigner, hein, parce que sinon, un peu plus tendu quand même. C'est bon pour eux? C'est quoi, c'est le gros final, lui? Oh, on l'a défoncé. C'est toujours pas fini, d'accord. Ça y a un coup là. C'est quoi, c'est encore des petits bouts Ok. Oh, il m'inquiète pas trop. Bien au contraire. Hein. J'ai failli me prendre les piques. Hein. Ah, touché. Ok, c'est plus long que ce que je pensais en fait. Je croyais, je m'attendais plus à un gros ennemi que. Ok, toi c'est fait. Peut faire tomber dans les pics en fait. Plus rapide. Ok, c'est quoi maintenant? Ok. Je m'inquiète pas trop. Ah, mais il y a des petits trucs qui roulent, je les avais même pas vus. Attention, on est bientôt mort. Ils me font pas du tout peur. Hein. C'est fini? Ah, je l'avais pas vu, elle. Elle a l'air vénère. Hein. C'est pas celle qu'on a déjà croisée qui a essayé de bouffer le mec. On a dû lui faire quand même pas mal mal. Hein. Ok. Ouais, c'est celle qu'on avait croisée. Hein. On l'a déjà défoncé, celle-là. Bon, il faut que tu passes dessous moi là, sinon je te touche jamais. Hein. S'amuse. Ah! Nikkei! Détruite! Easy peasy! C'est pas fini! D'accord, pardon. Jusqu'à quand on meurt ou ça se passe comment en fait? On peut lui renvoyer ces trucs? Ah bah j'apprends ça maintenant. Ouais. Fais chier toi. J'ai utilisé l'arme de l'autre pour tuer le premier. Ça en finit jamais en fait, hein. J'aime pas trop ça. Ouais, alors si ça c'est l'épreuve dite facile, j'ose pas imaginer genre la difficile, hein. Enfin la dernière. Faut les finir ou... Ah, ils explosent après eux. Je les connais même pas, j'ai jamais vu.
Il meurt tout seul, d'accord. Ah, non, toujours pas. Toujours plus gros, hein. Pas parce que c'est plus gros que c'est plus fort, hein. Par contre, c'est beaucoup plus... Ils sont vénères, hein, ces trucs. Première fois qu'on tue ces trucs aussi. Là, c'est fini. Yeah! Le money! Combien elle me donne? Elle me donne aussi des trucs. 500. Ah ouais, plus de 1000, hein. 1011. Emplacement de charme. Yes! Ça, on en avait vraiment besoin. C'est pas fini? Ah, je dois revenir en arrière, d'accord. D'accord, le Colisée! Incroyable. Du coup, on peut revenir là. C'est bon en arrière. Ça se referme derrière nous, on peut aller se reposer déjà. C'était déjà ouvert avant. Ça doit être pour plus tard. Je pense que quand on a battu toutes les épreuves, il y a une grosse épreuve ici. Oui, si on lit dans ses pensées. Sommes-nous tous des fous? Ah, il est parti le guerrier. C'est peut-être lui le deuxième, hein, qu'on doit combattre. On va aller se reposer ici. Boum! Full life. Le mec qui va nous regarder. Du coup, y a rien là. Hein. On peut juste voir des... un bout du Colisée, d'accord. Je pensais que c'était la sortie du Colisée, du coup. Est-ce qu'on fait tente la deuxième épreuve? Combien ça coûte d'ouvrir la deuxième? Non. Alors, combien ça coûte? 450. Boum, on ouvre. Je pense qu'on va laisser ça de côté pour le moment. Parce qu'on a encore un truc sur la droite, juste ici à aller voir. Et je pense qu'il y a une station de machin. On va laisser ça de côté pour le moment. On va aller. C'est aussi un autre boss. Ah, il y a tout ça en chemin. Faut déjà y retourner. Il y a un bon bout à faire. Ah oui, c'est par là. Pas assez. Ah, genre, on n'arrive pas à passer par-dessus, c'est ça? Ah, ça m'explose la gueule, ça. Ça fait bobo. D'ailleurs, je croyais que je l'avais tué, mais c'est le truc que j'ai tapé. Même pas full life avec tout ça. Descendre bien plus bas. Par là, du coup. Vu qu'on est là, on va profiter d'aller prendre des points bleus. Hein. Si on peut les avoir pour le combat de boss, on va pas dire non. C'est gratuit. Chemin par là. Non, que dalle. Quoi, faut redescendre tout en bas. J'ai eu peur. Heureusement qu'on peut nager là-dedans maintenant. Heureusement. Ah, les petits pics de l'enfer, on les avait pas vus. Enfin, je les avais pas vus. Remontons par là, on va arriver au banc. Parfait. Non, il est plus en haut, le banc, il est en dessus. Se reposer là. Et on va cesser là, YouTube. Des bisous, abonnez-vous. Oui, il faut le faire, c'est gratuit.